Bonsoir. Exit la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a enfin sa première étoile. Le Cameroun, pays hôte, s'en tire avec la médaille de bronze. Une troisième place arrachée à la suite d'une rencontre interdite aux âmes sensibles ou encore aux personnes cardiaques. Au finish, les Lions indomptables ont triomphé. La compétition est rentrée en gare le 6 février dernier. L'heure est au bilan. Bilan sur le plan purement sportif des 24 équipes, davantage celui de la sélection camerounaise. Bilan également de l'organisation, on le sait, c'était la première édition avec 24 équipes. Avec nous ce soir, le coordonnateur adjoint du comité local du site de Douala. Ancien Lion indomptable, il a fait partie de la cuvée du Mondial 90, ayant été deux ans plus tôt champion d'Afrique, c'était en 88. Avec Eugène Ekeke, nous passerons en revue quelques faits saillants de la 33e édition de la CAN que vient d'abriter le Cameroun. Eugène Ekeke, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Locke, c'est un plaisir. Alors, les lampions se sont éteints sur la 33e édition de la CAN, on le sait, c'était le 6 février dernier. Le Cameroun, pays hôte, est troisième, comme en 72. Malédiction? Oh, malédiction, non. Malédiction, non. Je pense que c'est le sport. Il y a parfois des répétitions comme ça, mais c'est la deuxième fois pour qu'on puisse tirer des conclusions. Je ne tirerai pas des conclusions. Quand on analyse, on est à deux doigts de passer. Bon, malheureusement... Ça s'est répété. On a échoué, on réfléchit et la prochaine fois, on fera mieux. D'aucuns disent que les pays organisateurs ne gagnent pas toujours. Est-ce qu'on devrait s'appuyer aussi là-dessus ou alors, comme vous l'avez dit, tirer les conclusions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bon, je pense que quand on regarde notre progression dans cette compétition, on s'est bien comporté. Parce que là, à part cette élimination, notre équipe est sans défaite. Sans défaite, nous avons la meilleure attaque, nous avons les deux meilleurs buteurs. Au niveau des stats, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on a malheureusement perdu à l'épreuve de tir au but, qui est une épreuve très très délicate, où c'est un exercice de nerfs, un exercice technique. Malheureusement, il faut très très peu de choses. Une épreuve technique, mais très bien maîtrisée par l'équipe égyptienne. Est-ce que ça veut dire que l'équipe camerounaise n'a pas su aussi adapter sa technique? On a vu que cette équipe égyptienne a fait quand même trois matchs qui se sont achevés sur les tirs au but. Ils ont gagné deux. Ça veut dire qu'ils étaient plutôt bien préparés. Oui, parce que cette équipe, quand on la voit, elle a difficilement démarré. Elle avait perdu contre le Nigeria. Mm-hmm. On était plutôt inquiets à son sujet. Bon, mais comme les grandes équipes, elle était là, elle a progressé. Et en plus, on a l'impression que cette équipe est jouée d'abord pour ne pas perdre. Et parce qu'elle a fait beaucoup de matchs nuls pour arriver là. Et elle a eu à passer. Par cette épreuve plusieurs fois, donc elle avait de l'expérience. C'est vrai aussi que de l'autre côté, quand même sur 5 pénalties, on en rate 3, c'est beaucoup. On se dit qu'on ne s'est pas préparé du tout. Je n'ose pas le dire, je n'ose pas le croire, parce qu'à partir du moment qu'on passe la phase des poules et qu'on est maintenant dans les matchs à élimination directe, l'hypothèse des petits rebuts forcément envisageable. On doit l'intégrer. Et à chaque séance, on doit avoir au moins une partie de l'entraînement qui est réservée à cela, pour que les joueurs s'habituent à l'exercice et qu'ils soient préparés et qu'éventuellement on puisse dégager les meilleurs tireurs. Mais quand on regarde bien ce match, est-ce qu'on doit se dire que tout ce scénario-là avait été prévu? Sinon, les changements, les remplacements n'auraient pas été faits de cette façon-là. Je m'adresse aux sportifs, à l'entraîneur et tout. Oui, c'est vrai que malheureusement, c'est ça qui a gâché un peu la... Donc, qui a donné un peu plus de... Beaucoup, qui a fait mal dans cette élimination, cette impression.
Mais je pense que l'entraîneur est un professionnel. Je n'ose pas croire, cette hypothèse. Alors, au soir du 6 février, tout le monde a pu voir la bouteille spéciale du gardien égyptien. Passer l'émotion, est-ce qu'ici on peut voir la stratégie ou alors la tricherie comme certains ont pensé? Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Non, il n'y a pas de tricherie parce que cette bouteille n'était pas encore étrangère dans l'ère de jeu. C'est comme s'il avait, par exemple, sa serviette était là. On pouvait la considérer comme telle aussi. Mais elle ne génère rien, l'évolution des choses. Maintenant, quel est son cache, je dirais, pour avoir un certain nombre d'informations. Je pense bête. Oui, c'est pas à la rigueur, c'est même. Je trouve que c'est plutôt habile. Parce que le problème qui se pose, c'est quand on s'y est préparé, sérieusement, on a envisagé cette hypothèse qui a quand même une forte probabilité quand on est dans des matchs à élimination directe, avec des équipes où le rapport de force est quand même assez équilibré. Parce que on ne joue pas la Gambie, même la Gambie n'est pas à mépriser. On envisage cette hypothèse. À ce moment, les gardiens, et même les entraîneurs des gardiens, on voit les entraîneurs eux-mêmes, ils commencent même à visionner les tireurs éventuels et comment ils tirent. Et c'est vrai qu'on appelle ça anti-sèche. On a ces anti-sèches. On sait comment fonctionne le tireur sur peut-être un certain nombre de pénalties. Quelle est la tendance? Quelles sont les récurrences? Et à ce moment, on prépare sa stratégie. Très bonne technique donc des Égyptiens. Non, là, le gardien, c'est le gardien qui a été assez professionnel. Parce qu'avoir des anti-sèches, ça suppose qu'il a eu une étude. Une étude vidéo des tireurs éventuels, il les connaissait. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est marqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué en finale. Quand le pénalty, à 3e minute. Oui, Sadio Mané et son copain de Liverpool. Voilà, il va rappeler à son gardien comment son collègue a l'habitude de tirer les pénalty. Oui. Et cela déstabilise complètement Sadio Mané, qui dit au gardien, mais vous n'avez pas reçu cet échange. Rentrer dans vos buts. Il faut rentrer dans vos buts. C'était aussi une stratégie, vu que finalement, Sadio a raté son pénalty. Oui, ça peut être une stratégie. Le problème dans cet exercice, c'est qu'il y a deux types de réactions. Il y a le gardien qui réagit par rapport au geste que vous faites. Et il essaye de rattraper le ballon. Il y a le gardien qui ne réagit pas par rapport au geste que vous faites, mais qui fait un choix de côté. Parce qu'il se dit que vous allez tirer à droite et prend le risque d'aller à droite. Bon, s'il gagne, il gagne le gros lot. S'il perd, c'est tant pis. Donc, il y a les deux raisonnements. Et c'est là que parfois aussi, pareil au niveau des tireurs. Il y a des tireurs, quand ils arrivent, ils décident de côté et ils placent le ballon là où ils ont décidé de le placer. Il y a des tireurs qui, dans leur raisonnement, tirent au centième de seconde, à la dernière minute, parce qu'ils voient le gardien partir. Attendent le gardien partir. Et en plus, une troisième approche qui est qui est basé sur le raisonnement selon lequel le gardien va aller à gauche ou à droite. Et très souvent, donc, on prépare comme si on voulait frapper fort et on met le ballon au milieu. Le gardien allant à gauche ou à droite, le milieu est souvent vide. Mais là aussi, ça suppose également une prise de risque. Mais c'est un choix. Alors, les statistiques des rencontres entre ces deux équipes parlent de 11 rencontres. 6 victoires pour les Pharaons, 4 pour les Lions, un match nul. Est-ce que le Cameroun arrivera à briser ce signe indien finalement? Oh, moi, j'aime pas ces stats qui partent de Matusalem. J'aime bien les. Le fait est que chaque fois qu'on parle d'une rencontre Cameroun-Égypte, tout le monde a peur. Dès qu'on a dit, bon, la demi-finale, ce sera entre le Cameroun et l'Égypte, on a senti quand même une tension. Non, ce qui est regrettable là, le Cameroun était au-dessus. C'est-à-dire que leur rapport de force nous était favorable. Ouais. On avait une équipe qui était en confiance, on avait une équipe qui tournait bien. Et je pense même ce qui nous a été défavorable, c'est le fait de n'avoir pas profité du temps fort. Parce qu'on aurait marqué en première mi-temps,
dans les 20 premières minutes, personne n'aurait crié au scandale. Mm-hmm. Parce qu'on a eu deux occasions. On a dominé le match, ouais. Et mais malheureusement, comme on n'a pas profité de ce temps fort, et l'équipe d'Égypte, j'avais d'ailleurs remarqué, c'est une équipe qui sait bien résister, je dirais, fait passer le moment difficile, et qui dans le temps reprend son jeu. Et cette équipe, elle a moins souffert en deuxième mi-temps. Elle était beaucoup plus à l'aise. Mmh. Et la plupart de ces matchs, c'est souvent cette progression, ce scénario. Alors on sait que c'est la rencontre Cameroun-Égypte. Bon, c'est l'une des rencontres qui a fait beaucoup parler et qui a beaucoup irrité. Justement parce qu'on a vu la domination camerounaise, mais à la fin, il y a eu la défaite du Cameroun. Cette rencontre-là a fait très mal aux Camerounais, d'autant plus que certains estimaient qu'un joueur comme Choupo-Moting aurait dû être sur le terrain. À cette rencontre, on a vu effectivement Choupo s'entraîner, s'échauffer. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'après, il ne soit pas mis sur le terrain? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je sais que ce n'est pas vous le sélectionneur, mais vous qui êtes souvent dans cette ambiance-là, qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon, on va d'abord commencer par faire une analyse globale d'approche. Choupo a joué contre l'Éthiopie. Et je pense que sa performance a été saluée parce qu'on a vu les effets sur le jeu. Mm-hmm. Le jeu camerounais était beaucoup plus fluide. Et on a vu, d'ailleurs après les spécialistes et les analystes, qu'il a donné ce grain de fluidité, il a permis que le jeu soit plus fluide. Et d'ailleurs, on a gagné par un score plus élevé. Ça, c'est une approche. À ce moment-là, on choisit un milieu plus offensif au détriment des milieux défensifs. Il y a des équipes aussi, il y a des approches aussi, l'autre, qui consiste à prendre à mettre dans son milieu de terrain des milieux plutôt défensifs. Bon récupérateur agressif pour dominer le milieu de terrain, pour ne pas être dominé au niveau du milieu de terrain. Et peut-être ça a aussi l'avantage que peut-être que les attaquants vont moins participer sur le plan défensif, avoir de la fraîcheur pour être plus efficace sur le plan offensif. C'est pas Conseil n'est pas le premier à avoir cette approche. Je me rappelle par exemple à un moment donné en France, même Jacquet avait joué avec Deschamps, Petit, donc trois milieux défensifs. Bon, c'est un choix. À un moment donné d'ailleurs, la question s'est posée, est-ce que vaut-il mieux faire jouer un Choupo pour un jeu plus fluide, une maîtrise collective mieux huilée, ou alors jouer avec trois défensifs? Et d'ailleurs, je pense que peut-être son choix elle a été fait contre la Gambie. Parce que contre la Gambie, le problème de ces. Quand on joue ces matchs, c'est de ne pas faire respirer à un petit qui commence à prendre l'assurance. Parce que la Gambie a fait une très très bonne compétition. Mm-hmm. Donc, si jamais elle prenait confiance, elle pouvait nous mettre en difficulté. Donc, à ce moment, il faut tuer le match relativement vite. Il faut les étouffer. Il faut les battre sur le plan physique, sur le plan technique et être très agressif. Et on a fait un très bon match. Parce que je pense qu'on a dominé cette équipe. On ne l'a jamais vue alors qu'elle avait fait des bons matchs avant. Et ce milieu, sûrement, lui a donné satisfaction. Et en face du choix, entre un milieu un peu plus offensif et un milieu défensif agressif et suffisamment... je dirais, récupérateur, il a fait ce choix. Bon, maintenant, la question, c'est, en ayant fait ce choix, il y a toujours le moment où l'entraîneur se pose la question. Si, à la mi-temps, tu te poses la question, est-ce que la manière dont le match est en train de se dérouler, j'ai plus de chances de le gagner que de le perdre ou de rester dans un statu quo. Mm-hmm. Et en face de ça, si la réponse est, je risque plutôt de le perdre, on a intérêt à changer quelque chose. Et si la réponse est non, ça va, je pense que j'ai beaucoup plus de chances de le gagner, il peut garder le même dispositif et les mêmes joueurs. Bon, maintenant, le problème qui se pose, c'est que
on est dans une situation où on est à 120 minutes. Les 90 minutes sont écoulées. Et pour le moment, ça n'a pas ce qui a été prévu, ce qu'on a mis en place n'a pas fonctionné. Donc, et on est obligé de changer quelque chose. Et c'est ça qui fait débat. Et dans le choix des changements pour apporter quelque chose, pour essayer de poser des problèmes différemment, pour essayer de résoudre l'équation qu'on n'a pas pu résoudre pendant 90 minutes, le choix des joueurs, c'est ça qui a fait problème, parce que tu pourrais être un finisseur, il est grand, même dans le jeu de tête, il peut faire la différence. Bon, beaucoup de techniciens se sont posé la question. Bon, et c'est là que c'est ça même qui fait peut-être un peu mal aux Camerounais dans cette défaite. C'est ça qui fait très mal surtout. Parce qu'on se dit, il aurait pu faire quelque chose. Mais est-ce que ceci peut justifier également l'attitude de Choupo-Moting lors du match de classement? Non, parce que je pense que là, en tant que joueur, il faut d'abord comprendre le joueur. Choupo, c'est un garçon assez propre. Hein. Assez propre, il est connu pour cela. Et l'une des choses que j'avais d'ailleurs appréciées dans cette équipe, c'est que pour une fois, et vraiment, il faut le saluer, pour une fois, avant la demi-finale, on n'avait jamais entendu parler d'un problème de vestiaire. Ouais. Alors que c'est souvent, on a souvent affaire à ces gens, à ceux-là, ce qui déstabilise souvent l'équipe. On n'avait jamais entendu parler de problème, on n'a même pas entendu parler de problème de prime. De prime, oui. Donc tout le monde dit, bravo aux dirigeants qui ont créé cet environnement. Et moi, je disais aussi, bravo à Conseil Sao, aussi, c'est lui qui a créé ce climat social. Bon, malheureusement, après la demi-finale, après l'élimination, ça a éclaté un peu. Bon, tout le monde dit, Choupo, bien que ne jouant pas, on l'a jamais dit, on l'a jamais entendu dire un mot. Et Choupo, l'une de ses forces, l'une des raisons pour lesquelles les grands clubs le prennent, parce qu'on se demande, quand il parle de Paris Saint-Germain, il ne jouait pas. Quand il parle de Liverpool, il ne jouait pas. C'est Liverpool, bien, je pense. Parce que c'est un joueur, un bon joueur, tous les entraîneurs le reconnaissent, et surtout sa capacité à accepter éventuellement qu'il ne joue pas. C'est-à-dire, autrement dit, son bon comportement, sa bonne moralité, pour ne pas créer des problèmes dans le vestiaire. Parce que souvent, quand on a des bons joueurs qui ne jouent pas, ils deviennent nuisibles. Et ils sont capables de déstabiliser l'équipe. Mmh. Et Choupo fait partie des joueurs qui sont reconnus comme vraiment un joueur sans problème. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand il est parti de Paris, en allant à Bayern, c'est comme s'il montait d'un cran plutôt. Et quand on fait appel à lui, égal à lui-même, il donne ce qu'il a donné. Donc ça m'étonnerait que ce garçon qui est connu pour cela, prennent des positions à la légère. Mais en même temps, à sa place, c'est-à-dire de son statut, je dirais, de tous les Lions, celui qui joue dans le plus grand club. Oui. Et qui est habitué aux grandes compétitions, qui côtoie les meilleurs du monde. Et être remplaçant, il n'a pas respecté. Mais quand on est à 120 minutes, après 90 minutes, l'équipe est en souffrance. Il s'échauffe pendant plus de 40 minutes. Il est prêt. Il veut donner. Et qu'on ne lui donne pas cette chance-là, je peux comprendre qu'il soit frustré ouais. Et qu'il se sente même humilié. Pour lui, là, il dit qu'on lui a manqué au moins, là, on lui a manqué de respect. Bon, je comprends. En tant que joueur, j'aurais peut-être le même sentiment. Et avant le match, dire que non, je n'ai pas encore évacué. Parce qu'un joueur, même si le foot est fait de déception, on peut arriver, on a un entraîneur qui ne vous aime pas, mais il faut être fort mentalement pour être performant, continuer à être performant. Et quand on se sent en incapacité de donner ce qu'on peut donner, parce qu'on n'est pas bien dans sa tête, on lui donne le brassard, tu dis, mais si en plus vous me donnez le brassard, ça veut dire que vous avez de la considération pour moi. Mais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait? Voilà. Et il n'avait pas encore évacué. Et dit à l'entraîneur, vraiment, je ne me sens pas mentalement prêt. Je ne vais pas porter le maillot pour ne pas le mouiller.
je ne me sens pas prêt. Mentalement, pour le moment, il n'est pas arrivé à dépasser les émotions, qu'il avait, les sentiments qu'il avait, et basculer dans une préparation positive, capable de plus. Parce que c'est là que, justement, l'entraîneur, parfois même dans la provocation, aurait dû le remettre en place. C'est pour ça qu'un entraîneur, c'est un psychologue. Ok, tout le monde dit que j'ai tort, que tu aurais dû rentrer. Ok, je te donne le brassard, va, montre-moi le contraire. Prouve-moi que je me suis trompé. On le met en défi. Il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots, ou peut-être lui dire, petit, je me suis trompé, s'il te plaît. Je prends mes excuses, et ce match-là, prends ta revanche, lui donner envie, le faire rebasculer dans le match, le remettre en place, parce que c'est là que parfois c'est important quand un ancien joueur entraîneur. Parce que comme disait, j'aime souvent le dire, seuls les marins entendent le bruit de la mer. Et il peut comprendre le ressenti d'un joueur. Et à trouver les mots justes, savoir là où il faut toucher. Mais est-ce que vous comprenez certains qui estiment que lorsqu'on est convoqué, lorsqu'on est appelé, on a comme le devoir de faire ce pourquoi on est là? Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris le refus de Choupo-Moting et on dit non. Il aurait dû, parce qu'il a été convoqué, il aurait dû venir. Il ne faut pas, à la rigueur, ne faisons pas de la, non plus de la provoque. Ne faisons pas de la provoque parce que si le joueur ne se sent pas et vous l'obligez à aller jouer, vous voulez quoi? Qu'il porte le maillot sans le mouiller, qu'il fasse semblant. Si le cœur n'y est pas, je ne conseille pas à un entraîneur de mettre un joueur à la rigueur dont on ne sent pas qu'il est engagé, qu'il est prêt mentalement. Et si il n'est pas prêt mentalement et qu'on le met, c'est qu'on le met là on le met pour d'autres raisons. C'est pour qu'il se coule lui-même. Et là, c'est pas non plus sérieux, c'est pas sincère. C'est pas correct, c'est pas honnête. Mais je n'ose pas croire que c'était le cas. Bon, mais si c'était parce qu'il croyait en lui, il pensait qu'il pouvait donner quelque chose pour ce match, à ce moment-là, il aurait fallu accompagner son choix avec un discours, et avoir un entretien avec lui. Alors, au rang des coups de gueule, vous avez été attaquant. En tant que tel, est-ce que vous avez compris cet autre coup de gueule-là de Vincent Aboubakar après la rencontre, après le match contre lui? Je pense que c'est ce que on va peut-être en reparler. Le charme de cette canne, ce sont les scénarios. Ce sont les scénarios. Je dirais les circonstances mettaient certains en difficulté. Et en même temps, les circonstances et le déroulement les faisaient basculer dans un autre sens. J'avoue que ces déclarations n'ont pas été appréciées. Parce que, un, il a le brassard. Deux, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et ça n'avait pas... Donc là, ce groupe dont j'avais l'impression que là, c'était vraiment, il y avait une certaine harmonie sociale, une certaine solidarité. Là, tout de suite, on vient de perdre. C'est comme si ce n'était pas le cas. Donc, c'était pas... Beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Mais malheureusement, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que ces deux buts l'ont réconcilié avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ceux qui n'avaient pas apprécié. Et ces deux buts... Et surtout le scénario, on en reparlera surtout, l'ont réconcilié. Mais peut-être que quelque part il a eu raison, puisque au match suivant, on a plutôt revu cette grande cohésion-là, et on peut dire que son coup de gueule a plutôt porté lors du match, lors de la petite finale. Non, si je pense que moi je n'ai pas vu ce qu'il a, pas la même analyse que lui. Je n'ai pas vu les joueurs égoïstes lors de la demi-finale. J'ai vu
des joueurs parfois qui avaient peut-être été maladroits, mais qui ont... moi, j'aime bien... Qui à un moment donné voulaient tenter leur chance. Non, mais là, s'il y a la prise de risque, il y a une prise de risque, que si elle paye, on les porte. On rate, on aurait pu toujours faire autre chose, un autre choix. Mais je n'ai pas vu cet esprit individualiste dont il a parlé. Vraiment, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et indexer les autres, ce n'est pas bon. Il fallait garder cette image d'un vestiaire uni, d'un vestiaire solidaire. Franchement, en toute sincérité, pour vous le dire sincèrement, cette équipe, avant le match de la Côte d'Ivoire ici à Douala, tout le monde avait des doutes sur le contenu. Tout le monde avait le doute. Et c'est ce match-là qui a fait basculer les choses. Quand on a gagné la Côte d'Ivoire ici, on a oublié qu'on a gagné la Côte d'Ivoire dans la souffrance. Parce que tous, nous avons les yeux fixés sur le chrono. On attendait la fin de ce match. Mais la confiance est revenue. La confiance est revenue. Et là, on avait vraiment une ambition objective. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on a pu faire ce qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire, qui était une très très bonne équipe, on est capable de gagner cette CAN. Et même les débats sur l'entraîneur avaient disparu. Ces débats avaient disparu. Donc, cette équipe, lors de son évolution, la première phase, bien gérée, 8e de finale bien gérée, on pouvait toujours, même quand il y avait un brin de discussion sur le contenu, à la rigueur, tout le monde disait « taisez-vous ». Pour le moment, les sujets sont bien traités, nous avons la meilleure attaque, mais les deux meilleurs buteurs, attendez, calmez-vous, de quoi vous vous plaignez bon, donc il y avait cette confiance qui d'autant plus que le match contre la Gambie a été bon dans le contenu et dans le score. Donc on avait vraiment, parce que plus aussi on a de l'espoir, plus la déception est forte aussi. C'est vrai que vraiment on voyait cette équipe en finale. On nous voyait en finale. En finale, c'était autre chose. Mais on nous voyait au moins. Nous nous voyons au moins en finale. Nous nous voyons avec le trophée, précisément. Mmh. Alors, puisqu'on parle de départ, il y en a, les voix sont élevées, hein, parce que cette rencontre Cameroun-Égypte a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les voix sont élevées, demandant le départ du sélectionneur. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que, au regard de ceci, de cette rencontre-là, et même des précédentes, des équipes qu'on avait avant, parce que certains ont dit... Il n'a pas d'équipe fixe. C'est-à-dire qu'à chaque match, il y a un nouveau dispositif. On ne sait pas finalement quelle est son équipe type. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Selon vous, on devrait changer le banc de touche? Bon, je pense que notre devoir, à nous qui sommes un peu avertis, nous, anciens, je dirais dans le discours peut être porteur, nous avons le devoir de profondeur dans l'analyse. Ce qui est sûr, c'est que les remplacements ont été mal gérés. Ce qui est sûr, c'est que quand on perd la demi-finale, la petite finale est le lot de consolation. Et on ne peut pas comprendre, on a du mal à comprendre qu'on change complètement l'équipe. Alors que c'est notre lot de consolation. Et quand on prend les trois buts, en première mi-temps, je peux vous dire sincèrement que à la mi-temps, moi, j'ai envoyé un message à Yaoundé en disant attention, anticipons sur les mauvaises, sur les réactions impulsives d'une partie du public. Protection maximale pour les Lions. Et pour les délégations. Parce que on se connaît. Nos joueurs allaient être en difficulté. Ouais. Et qu'on sait ça particulièrement.
particulièrement. Donc quand on change des joueurs pour lesquels les Camerounais pensaient que ces joueurs devaient être là parce qu'ils nous devaient une revanche. Tout au moins la troisième place. Tout au moins la consolation, la troisième place. Mm-hmm. Quand on les remet. Et je parlais tout à l'heure de scénario. Et justement, après mon message, on égalise. J'ai dit, ce scénario, très beau scénario pour la réconciliation. Parce que ce scénario réconciliait ce jour l'équipe avec le public, avec le peuple camerounais. Les gens étaient contents, les gens ont sauté. Parce que quand les gens sont entre... Il y a quelque chose qui est une chose qui est très, très... Après, dans le temps, j'ai eu le temps, je l'ai analysé. Vous savez, quand on joue avec le maillot de Lyon, les Camerounais qui sont en train de regarder, il y a un phénomène d'identification. C'est comme si c'est eux-mêmes qui jouaient. C'est-à-dire que si tu fais la passe à droite, alors qu'ils pensaient que tu veux la faire à gauche, ils te disent, mais joue à gauche. Nous sommes tous des joueurs et des sélectionneurs. Quand et tu fais la passe et que tu dois frapper, mais frappe. C'est-à-dire qu'ils attendent de toi que tu fasses... Comme ils pensent. Et quand ils pensent que tu devais te battre, tu devais mouiller le maillot, tu devais faire ceci, que tu ne le fais pas, et que c'est le contraire, et qu'on est en train de prendre 3-0, à la rigueur, tu es en train de le trahir. C'est comme ça qu'ils le prennent. C'est-à-dire que c'est comme... Ils t'en veulent. C'est-à-dire autant, vraiment, là, j'ai vécu... Nous avons, nous, les joueurs, surtout nous qui avons vécu un certain nombre de choses avec les Lions, c'est-à-dire l'affection, la reconnaissance que les compatriotes nous ont donnée. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, l'affection qui vous manifeste. On peut comprendre aussi que quand c'est le contraire, maintenant je peux comprendre leur réaction et parfois et la déception. Donc, et quand on égalise donc, et à la fin du match, j'ai dans mon message, le dernier message que j'ai envoyé, c'est de zéro à héros. C'est-à-dire que les joueurs sont passés de zéro, qu'on les considérait, on huait. Oui, on les a hués. On huait. On en a. Zéro et ainsi de suite. Et puis de zéro, ils sont passés à héros. Parce que le public, les spectateurs ne sont pas ingrats. Ils ne sont pas ingrats. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de la bravoure. Ce qu'ils ont fait, c'est de la bravoure. 3-0, c'était inespéré. Il y a des gens qui sont sortis du stade. Il y a des gens qui regardaient les matchs à la télé, qui ont été à la télé. Ouais. Donc, quand les gars mouillent le maillot, vont au plus profond de leurs tripes, ça se voit, ça se respecte forcément. Ça s'apprécie forcément. Et ça, et là, de la... Ce qu'on le ressenti qu'on pouvait avoir à la mi-temps, que je viens de décrire, là, ils devenaient des héros. C'est-à-dire, ils nous redonnaient la... Autant on se sentait humilié à la mi-temps, autant on retrouvait de la fierté. Ils nous ont redonné la fierté. Ils nous ont donné la fierté. C'est pour ça qu'eux-mêmes, à la fin, c'est comme s'ils gagnaient... Quand, de toute façon, ils ont jubilé, ils ont couru, ils se sont embrassés. Notre troisième place voilà. A été plus même l'entraîneur, la façon dont, c'est comme si on avait gagné la CAN. Effectivement. Et là, c'est pour ça que cette CAN avait la subtilité de donner ses émotions. Et c'est pour ça que là vraiment, elle était sucrée. Et comme disait quelqu'un qui a dit, cette CAN, elle est sucrée. Salé et pimenté. Pimenté, oui. Donc, on avait ces trois ingrédients, par exemple, en cette journée-là. Mais est-ce que c'est mots... Donc, parce que c'était une anecdote pour... on n'a pas apprécié. On avait l'impression que l'entraîneur a mal négocié, mm-hmm. ou il n'a pas été compris en demi-finale et à la petite finale. Mais une fois qu'on a dépassé cela, les statistiques sont les faits, les statistiques, eux n'ont pas d'émotion, ils sont froids. Et par contre,
ils doivent raisonner les émotions. On a la meilleure attaque, zéro défaite. On a le meilleur buteur et le deuxième meilleur buteur. Et on ne peut pas être aussi nul que ça, ni l'entraîneur si nul que ça. Maintenant, ce qui est grave au-delà des résultats, moi qui me pose un problème, c'est le fait, est-ce qu'il maîtrise encore son vestiaire? C'est ça que moi qui me pose. Parce que s'il ne maîtrise plus le vestiaire, là c'est plus grave. Le troisième élément qu'on doit avoir en réflexion avant de prendre une décision quelconque, on a un match hyper important dans un mois. Mm-hmm. Un mois. Donc on n'a pas le temps de faire des matchs d'essai. On n'a pas le temps de travailler. Pas de travailler. Est-il opportun de tout casser maintenant? Est-ce qu'on a le temps de reconstruire? On a un match qui nous attend là. Donc on problème, je suis beaucoup plus dans la réaction. Comment recoller vite pour remettre la machine en marche? Parce que cette machine, elle a marqué peut-être un petit dièse au demi-finale. Elle nous a peut-être irrité à la petite finale. Mais est-ce que là on a le temps? Il y a notre qualification en Coupe du Monde est plus importante que nos émotions. Elle est plus importante que le sort même de Conseil-Savo. Et c'est la raison pour laquelle réfléchissons froidement. Qu'est-ce qui est bon pour nous maintenant? Vous qui êtes dans le sport et qui avez une voix qui porte, certainement vous aurez le temps de bien réfléchir et de prendre la bonne décision. Oui, c'est-à-dire que le problème qui se posait, c'est que je dis, quand on l'apprend, puisons-la suffisamment. C'est-à-dire que n'allons pas dans l'excès de vitesse. Et ne gérons pas les émotions, gérons la perspective. Bon, peut-être qu'après les barrages, on verra. Oui, après le barrage, justement. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'après le barrage, voilà comment ça se passe. Parce qu'après les barrages aussi, on a la CAN 2022 qui n'est plus loin aussi. Oui, mais attention, la CAN 2022, c'est un autre cycle. Parce que là normalement, quand c'est ça où, la plupart des entraîneurs, ils ont eu 2 ans, chacun a eu au moins 2 ans pour préparer quelque chose. Là, chacun a donné sa copie. Et la CAN a donné le verdict. Maintenant, c'est le moment du bilan. Chacun doit faire. C'est comme ça, on fait le bilan. Quels étaient les objectifs? Est-ce qu'on les atteint, oui ou non? Si on ne les a pas atteints, est-ce que ça. Ça vaut la peine de reconduire. Sinon, il faut partir sur un nouveau projet. Non, mais là, on est encore dans le jeu. Il y a un deuxième objectif, un deuxième enjeu qui est très important dans un mois. Donc différons éventuellement la réflexion dans un mois, plutôt que de tout casser maintenant. Mais il faut réfléchir. Je ne suis pas, je ne bascule pas. Peut-être que quelqu'un aura des arguments plus profonds pour arrêter. Je ne sais pas, mais moi, en ce moment, voilà ma réflexion, voilà les questions que je me pose. Très bien. Avec votre regard d'observateur, de footballeur et même d'entraîneur averti, quel peut être l'avenir des joueurs comme Jay Clinton ou encore Christian Bassogog dans cette sélection nationale? Alors, si je prends le cas de Clinton, c'est un petit que je connais. Parce qu'à l'époque, j'étais directeur technique au Brasserie. Mm-hmm. J'ai eu des entraînements personnels avec lui. C'est un petit qui était voué à un grand avenir. Quel gâchis. Et quand le petit est arrivé à Lyon, c'est pour ça qu'il faut toujours de l'accompagnement. Il faut toujours de l'accompagnement. Je me rappelle d'abord la première fois qu'il est parti de l'école de Brasserie. Il est parti en sélection, je pense que c'était junior ou... il a fait une CAN, je crois. Il revient et le matin, il se lève pas. J'étais le bouger. Il dit, attends, oh, petite sœur de là. Attends, c'est pas parce que tu... Après la première fois, tu vas aller voir les premiers matchs, bien sûr. Un gamin, il se retrouve
alors qu'à l'école brasserie, il te lève à 5 heures. C'est là, il va à l'école, il revient, entraînement, hein, il fait ses leçons, il mange, il se recouche. Il est habitué à cette vie pendant les vacances, pas toutes les vacances, parce qu'en décembre, il ne bouge pas. À la fin de l'année, il va retrouver les parents. Là, il se retrouve, prime de match, 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Il a pris la grosse tête. Après, c'est les boîtes de nuit, il peut déjanter. C'est-à-dire, à ce moment, c'est un ado, pratiquement. Il peut déjanter. Bon, mais il faut avoir les gens pour le remettre en place. Mm-hmm. Et quand Clinton va, rappelons-nous, avant qu'il allait à Tottenham, je crois, il a fait une demi-saison extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire il fallait qu'il confirme une saison. Je ne sais pas ce qui a pris les gens qui étaient autour de lui pour l'envoyer à Tottenham. Parce que autant, quand nous, on a un gamin, il peut rater un match, deux matchs, on est là pour construire, pour lui parler, pour lui dire, attention, fais ceci, fais cela, ainsi de suite. Mais quand on est à ce niveau-là, à Tottenham, l'entraîneur n'est pas là pour gérer les joueurs, il est là pour gérer ses résultats. Tu as le blues, c'est ton problème, j'ai ton blues. Moi, je veux le résultat sur le terrain. Il doit être accompagné. Et le petit n'était pas préparé pour faire un tel saut. Et en plus, mis à part ça, j'étais fou de rage. Je ne disais rien, mais j'étais fou de rage. On ne peut pas. Le petit, il a fait un ou deux bons matchs. Mais toute la com qu'on a fait dessus, on en fait une star. Le petit vient jouer un match ici au Cameroun. Dès qu'il touche le ballon, le public voit tout le monde. Mais autrement dit, on attend de lui, chaque fois qu'il a le ballon, qu'il fasse un miracle. Et à ce moment-là, il n'est plus lucide. Il a le ballon, son problème, c'est de faire sauter le public, ainsi de suite. Il ne peut pas. Il ne peut pas progresser dans cet environnement pareil. Il fallait dire aux gens, arrêtez cette com-là. La succom que vous êtes en train de faire celui, vous n'êtes pas en train de lui faire du bien. C'est précoce. C'est précoce. Ce garçon est bourré de talent. Il est bourré de talent. Maintenant, je ne sais pas où c'est en Ukraine, je ne sais pas où il est actuellement. Il doit se remettre en cause, retravailler, avoir envie, avoir faim. Parce que c'est possible, il a le talent, ce garçon. Il a le talent. Pensez par exemple ce qui s'est passé là. Avec quand il rate le penalty. J'espère. Mais quelle solitude. À ce moment-là, tu as besoin d'avoir. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin de gens qui t'aiment et qui peuvent te parler le langage de la vérité. Hein? Parce que le foot, c'est ça. Il a raté demain, il peut être un euro. On doit, quand il prend le but, on l'a hué, on l'a insulté. On a dit, on doit zéro. Et comme cette CAN avait cette manie, c'est le doigt qui est le sauveur à la fin. Voilà. Donc, c'est ça le charme du foot. Et ce garçon, je dis, il a le talent. Bassogok, qui le connaissait avant la CAN 2017. Mais vous pensez que tout ce temps, sa vitesse a disparu? Non. Qu'il accepte de perdre 2 kilos et qu'il se remette au travail. Très bien. D'un point de vue général, que pouvez-vous nous dire des 24 équipes qui ont presté en termes de surprises, de révélations et tout ce qu'il y avait de beau ou de pas beau dans cette fête à 24 équipes? Bon, tout d'abord, je pense que quand la base de la pyramide est plus importante, le sommet aussi, ça améliore la qualité du sommet. Quand une équipe comme l'Algérie sort au premier tour, c'est révélateur. Chaque CAN a toujours ses surprises. Je pense que la dernière CAN, il y avait Madagascar, etc. Qui pouvait penser que notre voisin... Nigeria. Je ne parle pas du Nigeria, parce que le Nigeria, on connaît. Le Nigeria est toujours régulier, il est toujours là. C'est la Guinée équatoriale. Voilà. Qui pouvait imaginer la Guinée équatoriale? En quart de finale. En plus, avec ce niveau de jeu. Avec ce niveau de jeu. Qui pouvait l'imaginer? Mais moi, le top, la Gambie. Qui pouvait imaginer la Gambie? Première participation en plus. C'est en huitième.
Mais moi, le top, c'est le Comore. C'est le Comore. Imaginez, allez, le petit Comore, on pouvait dire. En plus, ils sont petits quand on prend la... Ils ont moins d'un million d'habitants. Ils pouvaient imaginer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est parti de l'autre monde dans le, sort de sa tombe, arrive et dit Cameroun-Comore, pronostic, il dit oui, 7-0. Justement, c'est le procès qui a été fait au Lions Indomptables, avec tout ce que cette équipe des Comores a eu, c'est-à-dire ces cas Covid, pas de gardien, même si, quelque part, je pense qu'on a aussi été un peu dû, parce que il, dans le CV du gardien des Comores, il a quand même aussi été gardien des buts. Il n'a pas qu'été joueur de champ. Oui, mais c'est pas au-delà même des gardiens. Au-delà des gardiens. Au-delà des gardiens. À 5 minutes, après 5 minutes de match, vous vous retrouvez à 10 contre 11. Allez, en infériorité numérique, 10 contre 11. Même les grandes équipes prennent un coup. Prennent un coup. Et quand ils ont pris un coup, je dis à 80% des grandes équipes jouent bas et ferment le jeu. En se disant, on est en infériorité numérique, on va résister au maximum et attendre pour jouer les contre-attaques, etc. Mm-hmm. Mais ce petit Comore là, c'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'est sa foi dans le jeu. Oui. J'ai vu ce gardien, entre guillemets, changer son handicap en avantage. C'est-à-dire qu'il sortait de 18 mètres. Il jouait pratiquement comme le libéro d'avant pour faciliter la relance. Et même dans les 18 mètres, dans les 5 mètres 50, ce gars jouait, il ne balançait pas. Ça, c'est, je ne sais pas si même Barcelone a une telle foi. Même, j'avais l'impression que c'était même le Barcelone de Guardiola ne faisait pas ça. Vraiment, le jeu court, jeu à 3, jeu à 2, jeu à 3. Et ils ont eu des occasions. Nul était la forme de Nona, qu'on avait retrouvé au Nona le grand jour. Ils auraient hein, le coup franc, même, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Ce coup franc, c'est un chef-d'œuvre. Alors, vraiment, je vous assure, donc, que j'ai pris du plaisir. C'est-à-dire, vraiment, en tant que amoureux de football, je dis, leur audace, leur calme, leur foi dans le jeu. Petit à plus de petits espaces, triangles, etc. Les intervalles, non, c'était un régal. Et à 10 contre 11, sans pression, là, je dis, comment, bravo à l'entraîneur. C'est-à-dire que, parce que si ces gars ont pu assimiler les fondamentaux jusqu'à ce point, avoir une telle maîtrise collective, et je dirais, ils ont joué. Ils n'ont pas fermé, ils ont ouvert à l'infériorité numérique. On se demande à égalité numérique comment ça serait passé. Mais ce n'est pas le Cameroun qui était mauvais, c'est eux qui ont été très bons. Et oui, le foot est beau. Et là, je vous assure que cette CAN, on a vu des joueurs, des équipes qui ont travaillé, où il y a des manieurs de ballon. On a le plaisir à voir jouer. Et bon, il y a des matchs. Vraiment, moi, c'était une très très calme. À Douala, par exemple, nous avons été gâtés. Quand on a la chance, à part Nigeria et Égypte, qui était une grande affiche lors de poules. Algérie, Côte d'Ivoire, c'est le top. Top. Et j'ai vu un grand Côte d'Ivoire qui a marché sur les Algériens comme s'il y avait des seniors et des juniors. À Égypte, Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en plus, quand le public s'y mêle, parce que les Camerounais, bon, c'est bien parce qu'en ce moment, on ne peut pas nous taxer de pro-maghrébin ou anti-maghrébin. Ouais. Autant. Autant on a supporté la Côte d'Ivoire, autant on a supporté l'Égypte. Contre l'Algérie, au point que ça m'avait fait mal. Autant contre l'Égypte, on a basculé de l'autre côté. Ouais. Bon. Et les Ivoiriens peuvent dire qu'on ne les aime pas puisqu'on les a supportés. Bon, et quand on supporte aussi l'Égypte, les Maghrébins ne diront pas qu'on ne les aime pas parce qu'on les a supportés. Et en plus, Douala a du charme à son public.
Allez, vraiment. Voilà, vraiment des supporters. Mmh. Des supporters et l'ambiance. Des passionnés. Des passionnés. Des passionnés. Alors, est-ce que on ne peut pas dire que finalement, cette CAN a permis de révéler d'autres équipes, parce que pendant longtemps on a parlé des petites équipes à 16, quand c'était la CAN à 16 on savait que oui ce sont les grands, à 24 on s'est dit bon tout le monde va entrer là-dedans, il y aura plein de déchets, mais est-ce que cette CAN n'a pas permis aussi de révéler que l'Afrique a vraiment d'énormes talents, tout au moins dans le domaine du football? Oui, vous savez, le problème qui se posait que quand parfois il y a dans une famille il n'y a qu'une place, ça décourage les autres. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratique, c'est beaucoup plus ouvert. Et comme ça, beaucoup de peuples se sentent concernés par la CAN. Et d'ailleurs, je pense que cette révolution, Platini l'avait fait. Il a ouvert la Coupe d'Europe, il a augmenté le nombre, pour que beaucoup plus de pays puissent participer. Et ça n'a pas baissé le niveau, c'est au contraire. Et c'est ce qui a été fait. Et je pense que c'était une bonne idée, dans la mesure où là, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus participe. Et maintenant, ces pays travaillent aussi. Parce que pour faire ce que la Gambie a fait, pour faire ce que le Comore, c'est qu'en plus, souvent, là, beaucoup d'équipes ont joué avec des locaux. Et ces locaux ne peuvent avoir ce niveau que parce qu'il y a un championnat conséquent. Un championnat qui leur permet de compétir, d'avoir les mains dans les jambes, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. C'est bien. Et là, maintenant, le problème, ce qui se pose, c'est que la leçon que nous devons tirer, arrêtons de dormir, ça bouge. Mais seulement, par rapport à la question que vous posez, ce que je dis souvent à mes joueurs, quand parfois les joueurs sont parfois ainsi, il vient de faire un bon match. Il a marqué même deux buts. Il a été bon. Et tu vois, dans sa démarche, dans son regard, il se sent déjà un peu super. Voilà, il y a des airs. Il oublie que c'est beaucoup, voilà, de pression. Et en quelque sorte, même, et parfois le langage n'est pas seulement verbal. Dans le regard ou bien dans la démarche, il y a une communication. Autrement dit, coach, tu as vu ce que j'ai fait? Et parfois, j'appelle, je dis, petit, viens. Je dis, n'importe qui peut faire un bon match. Ça peut arriver de faire un bon match. Ah, faire une saison, plusieurs matchs, c'est déjà quelque chose. C'est déjà plus difficile. Durée. Faire une saison, c'est autre chose. Maintenant, pas seulement faire une saison. Faire une carrière, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'aimerais que le Comore ou ces pays qui se sont révélés ne soient pas une illusion d'une CAN. Je veux les voir progresser et perdurer dans le haut niveau. Et pourquoi pas inscrire leur nom très prochainement également? C'est tout le mal que je la souhaite. Alors, la question, ce n'est pas à Eugène Ekeke, membre du comité local du site. C'est Eugène Ekeke, le Camerounais, l'habitant de... disons le Camerounais, pas seulement de Douala. Est-ce que selon vous, cette première CAN à 24 équipes a été une fête réussie? Monsieur tout le monde qui aime regarder le foot. En toute sincérité, avec, bon, le jeu consiste à ce c'est vous qui posez les questions, c'est moi qui réponds. Mais si jamais on avait inversé le jeu, vous n'avez pas été fier en tant que Camerounaise. Bon, vous ne répondez pas parce que ce n'est pas le jeu, mais je pense que beaucoup de Camerounais, on a été fiers. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on était acteur. En même temps, on était organisateur. On avait deux défis, deux gros défis. Un défi sportif, c'est de gagner la CAN. Et ce défi, on l'a... À la demi-finale, je vous assure que... Il y a une chose, c'est que... L'émotion... Le football est quelque chose de très passionnel. Et souvent, il y a des moments où la dose ou la charge émotionnelle que que le football vous injecte, elle est tellement parfois forte que ça peut vous laisser à base, vous dire, vous ne pouvez rien dire. Vous êtes abattu, vous ne savez même pas quoi dire.
et quand on a perdu en demi-finale, il n'y a pas eu de réaction. Les gens, on se lève, on ne dit rien. Et je le racontais à un journaliste, j'ai vécu un phénomène pareil, j'étais petit. La première fois que le Léopard, qui est mon club, est descendu en deuxième division. On était allé voir le match au Stade Akwa à l'époque, avec Nebete Isaac, etc. Et le Caïman jouait le titre avec, en compétition avec Oris. Nous, on était menacés de descendre. Donc le Caïman avait l'obligation de nous battre pour être champion. Et bon, ce match était un match chaud, qui avait fait bouger la ville. Et on est arrivé, le Caïman nous a battu 3-0. On est partis, tous les Daïdo. Parce qu'on venait, on allait à l'époque à pied. De Daïdo à cette rue-là. À l'époque, j'étais petit, je connaissais tous les magasins par leur nom. On est parti de la poste d'Akwa jusqu'au rond-point. Au rond-point, on commence à se disperser. Voilà, ceux qui habitent à Koto, ou à Bonadjindia, ou Bonantoune, etc. Silence. C'est-à-dire, personne n'a dit un mot. D'Akwa jusqu'à Daïdo. Sans un seul mot. On avait un patriarche qui était devant, lui, et il sifflait les cantiques, en sifflotant les cantiques. Mais on n'a rien dit, tellement on était abasourdi. Et quand on a cette demi-finale, les gens se sont levés. Personne n'a manifesté quoi que ce soit. Ni de la colère, ni de... Mais les gens, c'était le deuil. Un deuil silencieux. Et c'est la raison pour laquelle la colère en 3-0, elle était, c'est comme si tout ce qui avait été dedans a bouilli parce que cette dose aussi là qu'on recevait en plein visage. 3-0, par le Burkina Faso chez nous. Attends, on est où? C'est comme si. C'était là. Et là aussi, là par contre, la dose qu'on recevait là, et que chaque, les gens, c'était ont envie de la renvoyer. Et quand on a envie de la renvoyer, c'est très violent. Et vraiment, le foot donne souvent ça. Quand parfois, par exemple, j'ai un frère, il me dit, en 90, il me dit, mais quand tu as marqué, c'est parce qu'il m'a pris, j'ai sauté, sans m'en rendre compte, j'ai atterri sur une table en verre. Et tout le pied ouvert. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si il y a quelque chose qui vous envahit. L'adrénaline. Et vous ne vous maîtrisez pas. Vous ne vous maîtrisez pas. Et vraiment, le foot est beau. Est très beau. Avec ça. C'est pour ça que ces émotions-là, ce n'est pas facile à gérer. On a été très silencieux après cette défaite, mais très, j'ai envie de dire, positif, parce que le lendemain, quand on a interrogé la majorité des Camerounais, ils étaient fiers de leur équipe, malgré la défaite. Voilà. Parce qu'effectivement, une fois que la déception, c'est partir, on peut être lucide. Maintenant, pour revenir à votre question tout à l'heure, le problème, c'est que ça posait que. Il y a eu donc cette phase-là où on a vécu ces émotions fortes. D'ailleurs, qui sont. Et tout ça, même quand c'est parfois c'est douloureux, même parfois si c'est. On se rappelle, ce sont des beaux souvenirs. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, de ce souvenir de le pas jusqu'aujourd'hui. Et on se rappellera de ce. Les gens de 72. Moi, j'étais petit, 72. Je me rappelle à la radio encore. Je me rappelle la voix d'Abel Mbengue à la radio. Et ces moments vont être des souvenirs. Et là d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle même le drame que nous avons vécu, il faudrait qu'on mette une plaque sur le stade Olympique en mémoire de nos compatriotes qui sont tombés. Que jamais nous n'oublions cela. Et que chaque temps même qu'il y a un moment de recueillement pour eux. Et je dirais, en dehors de ça, je rappelais que la fête, je ne suis pas très très politique. J'aime pas m'en mêler. Parce que ça, malheureusement, c'est. En tant que citoyen, en tant que. Le regard, il est le regard global hein, sur l'organisation de la fête, pas juste les matchs. Ça dit que cette ambiance dans le pays pendant ces 3 semaines. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que pour une fois, le 31, j'ai pris mon stylo. On était quelques-uns avec le coordinateur, l'honorable Djoké, pour suivre le discours du président. Parce qu'il allait parler de la CAN, avec quelques membres du secrétariat. Et quand il a parlé de la CAN,
il y a quelque chose qui transcendait les lignes politiques. Qui transcendait les lignes politiques. Il veut que cette CAN soit l'occasion d'une fête. Que nous accueillons nos frères africains. Qu'on leur fasse découvrir la beauté de notre, et la diversité de notre culture et de notre pays. Et qu'en partant, qu'ils comprennent que le Cameroun est un grand peuple et un grand pays. Et là, je dirais que moi-même, à travers ces émissions, j'ai découvert mon pays. J'ai découvert la beauté de mon pays. Franchement, je me dis, mais wow, c'est ici au Cameroun. Et dimanche surtout, quand je voyais la fête, parce qu'à la fin, là, quand les Sénégalais ont gagné, la couleur qu'il y avait, la joie qui se dégageait, les émotions, mais c'était... j'étais fier. J'étais fier. Et en dehors de ça, pour cette fête, quand vous allez dans une fête, on vous a invité dans une fête, la première chose quand vous arrivez au lieu de cérémonie, c'est quoi? C'est d'abord la salle, le décor. Et là, on a fait fort. Olembe est un bijou. Japoma est un bijou. Il y a des amis que j'ai invités, mais quand ils sont arrivés à Japoma, enfin, ils nous disent oui, on a beau dire, c'est quand même pas mal. Et il y a mon épouse qui a fait waouh. Et au point que, quand on a délocalisé Japoma, les gens nous envolaient en disant mais vous n'aurez pas pu faire le lobbying. Oui, vous n'avez pas été très fort. Voilà, c'est ça qu'ils nous reprochaient parce qu'ils en revoulaient de la fête. Vous n'avez pas été très fort, on aurait aimé regarder la première demi-finale. Voilà. Non, ça vous manquait. Oui. Et à ce moment, donc, la fête vous manquait. Cette canne était sucrée. À ce moment, elle était sucrée. Et là, c'est pour ça que, bon, c'est pour répondre à votre question. Donc, la fête était belle. Alors, pendant cette fête également, on a eu des embouteillages peut-être pas très fort à Douala, mais à Yaoundé un peu plus aussi. On a eu les stades vides au début de la compétition. Vous qui êtes dans l'organisation, est-ce que ce ne sont pas des points qui sont sur lesquels on peut anticiper? Je veux dire, est-ce qu'on devait attendre une décision du chef de l'État, par exemple, pour que les stades soient pleins? Est-ce que vous de l'organisation, ces points-là vous ont échappé? Bon, on peut dire oui, non. D'ailleurs, je peux vous le dire, hein, ce problème-là, je l'ai posé. Je l'ai posé avant. J'avais même fait une démarche auprès des maires, en disant, pour mobiliser les populations, il faut aller vers les élus. Avec ce n'est que leurs élus qui peuvent les mobiliser. Et ce que moi je voyais, c'était, je voulais que, par exemple, en ce qui concerne Douala, que les mairies parrainent le pays. Et à travers ça même, qu'il y a des échanges entre ces pays et ces mairies. J'ai vu le maire de Douala 4e, on en a parlé. Que, par exemple, on voudrait que le QG des Ivoiriens soit dans la 4e. Que dans la 4e soit vraiment arboré par des drapeaux ivoiriens. Et qu'on ait même une soirée culturelle franco-ivoirienne. Et que le jour du match, qu'il y ait des bus qui partent. Camerouno-ivoirienne, vous voulez dire. Voilà. Pas franco. Camerouno-ivoirien, effectivement, excuse-moi. Et qui partent, une rue de bus qui part de Bonaberry pour aller au stade avec les drapeaux ivoiriens. Et des t-shirts ivoiriens. Et qu'en plus, pour que les gens puissent, il faut que les gens partent dans le confort et rentrent dans le confort. C'est-à-dire que ces convois sont motorisés, vraiment avec une. Et les gens arrivent au stade sans problème. Ils partent 30 minutes après, ils sont au stade, ils vivent la fête, et la fête commençant même dans le bus. Et au lieu de rencontre. Et ils rentrent dans la fête, et ça sera le souvenir pour les populations. Et si les maires les offrent ça, ils s'en rappelleront. Même sur le plan politique, c'est un bon coup. J'en avais discuté avec Chafemba, le maire de Douala 5e, ils étaient preneurs. Le maire de Douala 3e était preneur. Il restait uniquement la Sierra Leone. Et je suis sûr que le maire de Douala 1er aurait été repris.
Bon, malheureusement, ça n'a pas été... Ça n'a pas été implémenté. Ça n'a pas été... Et quand, donc, je me rappelle aussi, quand le stade était... J'ai vu le stade vide. J'ai dit non, il faut qu'on réagisse. C'est comme si on avait fait une cérémonie, on entend 1000 invités et on a 3 tables seulement qui sont pleines. C'est ces stades-là. Le peuple camerounais n'a pas fait ses efforts uniquement pour ceux qui viennent jouer. C'est également pour que nos compatriotes aussi puissent déguster le confort de ces stades. Qu'ils vivent ça aussi, c'est leur confort, c'est leur luxe. Il faut qu'ils vivent ça. Et à un moment donné, je pense aussi que le problème, là où le problème parle du postulat de départ, non, le postulat était que les Camerounais aiment tellement le football qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose. Ils viendront eux-mêmes. Parce qu'effectivement, on n'a pas fait de promotion, de mobilisation particulière contre la Côte d'Ivoire. Ici, le stade était plein. Les gens voulaient... Donc on est parti avec ce postulat. On n'a pas suffisamment pesé les autres paramètres qui sont venus se greffer, tels que le parc sanitaire, les vaccins, etc., bon, qui ont un peu pollué la donne. Mais ce qu'il faut donc, il faut saluer aussi, c'est que la réaction, elle a été vive, rapide. Rapide et l'effet a été vraiment... Voilà. On est plutôt tombé. Parce qu'on a vu un Cameroun, des Camerounais supporter toutes les équipes. Voilà. À la finale, le stade est plein, pas juste pour la fête, mais pour supporter toutes les équipes. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, passe comme ça, disons que le plus. Il faut être très réactif, il faut être réactif. Et là, disons que. Pas le président de la République, mais disons qu'il y a eu le Cameroun a été très réactif, au point où on nous disait maintenant, calmez un peu. Alors, c'est-à-dire. Je me rappelle le représentant de la FIFA ici, le coordinateur. Il vient dans une réunion parce qu'on faisait les briefings tous les matins de l'endemain du match. On avait une vidéoconférence, on faisait. Il nous dit, mais attendez, expliquez-moi. Parce que là, vous déclarez qu'il y a eu 30 000 hier. Moi, j'ai regardé, il y a eu plus de 30 000. Et s'il y a eu plus de 30 000, dites-moi. Soit vous avez mis plus de pieds, parce que le maximum... C'était, on devait avoir, je pense, 60%, je crois. 60% de 50 000, ça faisait 30 000. Oui. Voilà. Donc, lui, il dit que non, il y a eu plus de 30 000. S'il y a eu plus de 30 000, soit vous avez mis plus de billets que ce qui est autorisé, soit vous avez laissé les gens entrer. Donc, autrement dit, la réaction a été bonne et le public a suivi. Oui. Et il y a une chose à laquelle moi c'est qu'il fallait absolument que le public, le Camerounais, chacun devait au moins vivre ça une seule fois. Absolument. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez un peu anticipé en parlant de la bousculade d'Olembe avec, pourquoi pas, une stèle là, avec les noms des personnes décédées. Mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les responsabilités ont été définies à la suite de ce qui s'est passé? Je veux dire, en dehors de l'enquête demandée par la CAF, est-ce que sur le plan local, aujourd'hui, on sait qui a fait quoi et comment réparer pour que pareille chose ne se passe plus? Oui, de toute façon, c'est... après ce drame, c'est jamais plus ça. Jamais plus ça. Et je vous assure, le match qui a suivi sur le match de Lyon. Avant le match de Lyon, mais le match qui a suivi ici. Les Lyons ont joué aussi ici, oui, avant la Gambie, je pense que c'était Égypte, Côte d'Ivoire, oui. Et je me rappelle, moi-même, j'ai été voir. Il y avait au moins 4 rideaux de filtrage. Et au-delà de ça, ça dépend de l'entrée, hein. Si vous êtes allé à Japuma, si vous avez pris l'entrée nord, peut-être c'est 4 rideaux, à l'entrée sud, il y en a au moins 6. Voilà. Voilà, et j'ai observé. Et Japuma, Égypte, Côte d'Ivoire, encore c'est passé. Mais le gros, c'est Cameroun, ici contre la Gambie. Et les Camerounais, Douala attendait le Cameroun.
doit l'attendre, le Cameroun. C'est un match très attendu. Oh. Et là, je vous assure, je rappelle encore, les réunions d'abord, après Yaoundé, on a eu tout de suite une réunion spéciale de sécurité où tout a été envisagé, toutes les dispositions ont été prises. Et en dehors de ça, je rappelle encore quand je dis à. C'est le président de la commission de sécurité, c'est le secrétaire général de la région. Il dit, SG, il y a une autre chose. Je suis sûr, avec ce qu'on a fait, ce qui était prévu là, ce que vous avez prévu, ce que je vois là, le gouverneur a fait une réunion spéciale. Une réunion spéciale pour préparation de ce match. Et le ministre lui-même est descendu pour cette réunion. Ce qui est prévu avant et pendant, pas de problème. Mais ce par contre, avec, il ne doit plus y avoir aucun incident. Et je me suis rappelé de après la Côte d'Ivoire, quand on rentrait, là ce n'était même plus au stade, dans la rue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les gens qui sortaient des villages, des quartiers, oui. Équipe à la rigueur même, débordant de joie, tapaient sur les voitures. Et j'ai vu le risque éventuel qu'il y ait un accident ou quelque chose. Et à ce moment, après le tremble de Yaoundé, on n'avait plus le droit à la moindre erreur, le moindre incident. Et on en a parlé, j'étais content. Déjà quand j'allais au stade, j'ai vu le cordon. C'est-à-dire vraiment, ça a été le top. Surtout que les supporters de Douala, je vais un peu me passer, je vais devenir un peu leur avocate, ont été quand même très disciplinés. À 12h, le stade, les gens étaient déjà là. Oui, pour un match de 17h, ils se sont dit, il vaut mieux venir tôt pour éviter une quelconque pression. Parce qu'on sait que très souvent, dès qu'on entend les hymnes, c'est là où on se dit, ah, on est en retard. Et les esprits s'échauffent. Et voilà, et ça a été analysé effectivement. Parce que la réunion que nous avons, on s'est posé la question. Parce qu'on s'est rendu compte, il y a deux moments forts. Il y a juste, parce que les gens viennent, il y a un flux très important qui arrive juste avant le match, début de match. Et quand ces gens entendent les hymnes, à ce moment-là, chacun veut arriver très vite. Oui. C'est là que souvent qu'il y a des incidents. Maintenant, la question était, comment étaler le flux? Comment étaler le flux? Savons que c'est la CAF qui décide, mais on leur a demandé, et le gouvernement a demandé même qu'on ouvre les stades 5 heures avant. On était à boire à 4 heures, après allons jusqu'à 5 heures. La CAF a dit, ok, nous on ne voit pas d'inconvénient. Maintenant, vraiment l'approche que nous avons eue, c'est... Je me rappelle ce que je rappelais souvent ça. C'est-à-dire que les VIP, tout avait été prévu pour qu'ils soient dans le confort, etc. Mm-hmm. Les VIP, c'était dans le confort. Mais on voulait absolument que le public, le grand public aussi, ait droit à un accueil minimum, dans un minimum de confort. On s'est dit, donc, si ces gens viennent, parce que les VIP, eux, ils vont partir 30 minutes avant. Le circuit, et ainsi de suite. Mm-hmm. Ce public, quand ces gens-là qui vont venir 4 ou 5 heures avant, on doit les entretenir. Quand vous invitez les gens, ils arrivent chez vous, vous êtes bien obligé de préparer les apéritifs, ainsi de suite, les amuse-gueules, pour passer le temps jusque-là. Oui, pour passer justement le temps. Voilà, donc on devait préparer donc les animations, aussi bien à l'extérieur, dans les espaces d'approvisionnement, parce qu'il fallait que les magasins aussi, les stands qui étaient là, soient achalandés suffisamment pour qu'ils puissent manger à des coûts corrects, qu'ils puissent avoir, donc, que ce soit vraiment un espace de vie. Mm-hmm. Et parfois, on disait, on conseille, ne venez pas manger chez vous, forcément, il y a de quoi. Ouais. Et tout ça a été pensé pour que les gens ne s'ennuient pas. Même les bus, on avait ce cature pour que ça soit étalé, qu'éventuellement tous n'arrivent pas au même moment, ainsi de suite.
Donc vraiment, c'est pour ça que pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Et j'ai travaillé avec des gens extraordinaires également, parfois qui m'amenaient une vision, une approche, un regard que je n'avais pas. Moi, enfin, jusqu'à présent, je raisonne en termes de privé, comme un privé, responsable et devant agir de manière vive et rapide. Il y a des moments où, par exemple, ils m'enseignaient, donc je comprenais qu'il y a la donne politique, il y a parfois des éléments qu'il faut intégrer. Mais est-ce que vous pensez que la CAF vous a un peu écouté? Moi, cette question, je la pose au sujet de la délocalisation de la demi-finale qui aurait dû se jouer à Japoma. Vous qui connaissez bien le terrain, vous qui connaissez le public de Douala, délocaliser une demi-finale après un match des Lions qui a drainé autant de foule, est-ce que ce n'est pas incongru? Est-ce qu'on vous a écouté? Parce que moi, je me dis, si vous, comité local, vous avez pesé de votre poing en leur disant non, ici, c'est chez nous, on sait très bien comment nos frères réagissent. Une demi-finale Sénégal-Burkina, ici à Douala, sera... Est-ce que ils vous ont écouté? Ou alors vous ne leur avez rien dit? Vous avez dit, bon, non, comme c'est la CAF qui décide, qu'elle y aille. Non, c'est-à-dire, le problème qui se pose, c'est que, bon, on est plus qu'un décorateur. Vous avez une fête, vous appelez un décorateur, c'est votre fête. C'est vous qui dites comment vous voulez que vos invités soient reçus. C'est vous qui donnez, on essaie de vous on accompagne et on prend nos responsabilités en termes de sécurité, pour que les invités arrivent sans problème et qu'ils puissent partir sans problème, qu'ils puissent bien manger, bien boire, que le spectacle, tout se passe bien. Mais en même temps, tu comprends aussi le désirata de l'organisateur, du propriétaire de la fête. La pelouse de Japoma, sur le plan technique, il n'avait aucun problème. La densité est bonne, la tente, elle est faite dans les normes. Et en plus, là où la CAF ne nous a pas beaucoup aidé, c'est que elle ne nous a pas confié la fête simplement, comme ça, et attendre le 6, le 9. Non. Elle vient voir où est-ce qu'on en est au niveau des préparatifs. Elle valide ou elle fait des recommandations. En disant, non, ça ne me que ça se passe comme ça. Par exemple, la salle de presse, 80 places, ce n'est pas suffisant. On veut que ça soit 120. On a élargi. On voudrait que ceci soit... Dans chaque, ce qu'ils appelaient les missions d'inspection, quand ils faisaient des recommandations, ils validaient des choses, on en prenait note. Et on essaie donc de le faire comme exactement ils veulent. Ils n'ont jamais fait des réserves sur la pelouse du Japoma. Ils ont, au contraire, RAS, rien à signaler. Ils ont donné plutôt le matériel. Ça, c'est même une mission qu'à FIFA. Ils ont donné le matériel ils ont formé les gens pour la tente, pour l'entretien. Le seul problème qu'il y a, en quelque sorte, c'est un problème esthétique. Parce que, effectivement, ils disent que l'événement est mondial. Et la discontinuité de la couleur a un mauvais rendu au niveau de la télé. Ça c'est juste ça. Et par rapport à ça, je tiens à rendre hommage à la réactivité du comité local. Que ce soit M. le gouverneur, que ce soit le directeur du stade, le coordonnateur, et même le coordonnateur de la CAF. Et je vous assure, pour retaper ce terrain, parce qu'après chaque match, il y a des dégâts. Il faut que le terrain se reproduise. Il faut qu'on fasse un peu de lifting, etc. Il y a le moment où après le match, il y a une analyse. Les produits étaient commandés en Espagne ou en Turquie. Et je vous assure, c'est-à-dire qu'on suivait le vol. Il est en train de faire l'escalade. Et il est à tel endroit. Il sera là à 8h du matin.
à 8h du matin, le gouverneur avait déjà pris des dispositions pour qu'il sorte immédiatement. Et les gares, ça a bossé. Parfois, le gouverneur lui-même, elle était au courant de l'évolution de la pelouse. Mais le coordonnateur ne dormait pas. Où est-ce qu'on en est, monsieur le coordonnateur, monsieur Yum? Comment c'est en train d'évoluer? Les gars, ils sont. Ainsi de suite. On s'est battu. Bon, à un moment donné, ils ont pris la décision en disant pourquoi pas, parce que compte tenu du fait que ces images sont très importantes pour eux, parce qu'ils ont aussi un produit à vendre, vaut mieux Yaoundé. Ça nous a maîtri, ça a même maîtri les gens de la CAF qui travaillent à Douala, parce qu'en dehors de ça, Douala a été eux-mêmes, ils ont salué vraiment ce que l'animation à Douala, les Ola à Douala, l'ambiance, ils ont apprécié. Et à un moment donné, même qui a dit, mais il fallait qu'on amène les gens de là à Yaoundé parce qu'ils ont plus d'expérience. Effectivement, nous avons aussi bénéficié de l'expérience du CHAN. Alors, le comité d'organisation, expliquez-nous, hein, parce qu'on a aussi une grosse difficulté à avoir accès aux billets, notamment les médias accrédités. C'est-à-dire que vous êtes accrédité, il faut faire une demande de billets pour le match qui a lieu. Il faut faire la demande de billets 24 heures avant. Comment justifier, comment expliquer cette difficulté-là? Parce qu'on s'est retrouvé parfois à avoir pas de réponse ou une réponse à quelques heures ou à une heure du match ou encore pendant le match. Comment expliquer cela? Avec même accès difficile au site même. Bon, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a ce qu'on appelle les SAD. Quand vous avez le badge, par rapport au match, on vous donne un SAD qui vous permet l'accès. Cet accès est valable uniquement pour ce match. Oui. Bon, là c'est la CAF qui gère. Et la CAF, par exemple, je vais vous donner quelques exemples pour montrer à quel point Japoma avait, par exemple, à peu près 1000 volontaires là, lors du CHAN. Là, la CAF dit non, maintenant c'est 350. Et pour eux, même si à un moment donné on dit non, mais 350 c'est pas possible par rapport aux besoins. Là, ce n'est même pas le CHAN, là, c'est la CAN, c'est autre chose. Et on a même préparé des volontaires supplémentaires, même, en disant que même si vous ne les financez pas, nous, on va se débrouiller, mais on voulait que la fête se passe bien. On va les financer, la mairie a accepté de financer, les mairies ont financé, mais ils ont refusé de les utiliser. On ne les a pas donné les accréditations. C'est la CAF, on peut rien faire. Et parfois, même c'est 24 heures avant. Après, à la fin, c'était 48 heures. Mais au début, à un moment donné, c'était 24 heures. Ouais. Parce qu'il regardait à la loupe avant de donner. Et il donnait ça au dernier moment. Bon. Et en se disant aussi qu'il y a. Il soupçonnait aussi des malversations, etc. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le VAPS pour les laisser passer. À un moment donné, il fallait trouver un moyen pour que les gens ne les photocopient pas. Mm-hmm. Parce que nous aussi, on est très vifs. Donc il y avait ce problème de sécurité, il fallait trouver le juste milieu. Bon, pareil pour les billets. Parce qu'on ne fait plus comme avant. Avant, à l'époque, moi je me rappelle, on faisait les billets avant. Et quand on les a faits, avant même qu'ils commencent à être vendus, ils ont déjà doublé. Donc avant les matchs, on passait le temps à les maquiller manuellement pour que, effectivement, pour distinguer les faux des vrais. Ce qui fait que parfois, c'est... On veut donner moins de temps de réaction pour les malversations. Très bien. Alors, on est déjà presque au terme de notre émission. Quelles sont rapidement les leçons qu'on peut tirer de cette CAN, surtout que le Cameroun a été vraiment traité de beaucoup de noms. On nous a traité de triche, test Covid falsifié, complicité avec les arbitres. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon après cette compétition? Oh, d'abord par rapport à... Je pense que le Cameroun est connu comme une terre de football. Je dirais mondialement connu comme une terre de football. Et tout le monde attendait le Cameroun. Et je pense que on a eu trop de pression, énormément de pression, de l'extérieur comme de l'intérieur. On était tellement attendu que
l'épiphénomène prenait des dimensions énormes. Mais tout au contraire, je pense que toute cette pression-là nous a entraîné d'aller, de faire le maximum, d'essayer de reprendre ce qui a fait, ce qui a élevé le niveau de notre offre et le niveau de l'organisation. Ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Maintenant, il y a des choses, donc, pour le public, on en a parlé tout à l'heure, on a réagi. On aurait pu anticiper peut-être, on a réagi, mais la réaction a été bonne, voire même parfois trop... Au-delà des attentes. Au-delà des attentes. Et parfois, c'était l'overdose, il fallait plutôt calmer. Peut-être ça aurait évité peut-être même des accidents aussi. Je pense que c'était une bonne expérience. Et vous savez, il y a deux ans, plus de deux ans, la COVID avait fait fort. Il n'y a pas un seul Camerounais qui n'a pas été touché par ce. Et quand on est arrivé à la fin de l'année, parfois, c'était une question, on avait l'impression que c'était une question de chance. On est là parce qu'on a plus de chance que d'autres. Ou peut-être le sort en a voulu autrement. En dehors de la COVID, c'est parce qu'il y a eu la canne qu'on oublie ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest. Et cette canne était une bouffée d'air. Ça fait deux semaines, on n'a pas entendu les cris dont nous avons l'habitude d'entendre et que nous maîtrisent chaque fois. Cette parenthèse, on avait besoin dans l'amorosité dans laquelle on était. Et ça, c'est pour ça que merci à la CAN, merci à ceux qui ont eu cette idée, à ceux qui. Merci à, je dirais, pas seulement au président de la République, à tout le peuple camerounais, parce que tout le monde s'y est mis. Parce que quand on parle même de ces stades de leur coup, c'est pas un homme, c'est tout un peuple. Et nous avons vécu de bons moments. C'est une très très belle expérience. Et surtout, maintenant ce sont nos visiteurs qui nous le rendent. C'est eux qui sont nos premiers défenseurs aujourd'hui, en disant que le Cameroun a fait fort. Et nous avons maintenant mis le curseur à un certain niveau. C'est vrai que l'accès à la Côte d'Ivoire, et je suis sûr que comme c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons être très regardants. Non, et eux, ils ont la pression. Au vu de ce qu'ils nous ont fait, au vu de tous les tics qu'ils nous ont lancés, je pense que. Voilà, au vu de nos amours. Au finish, vraiment, au vu de nos amours. Alors, quand on regarde les échéances à venir, c'est-à-dire tout à côté, d'abord les barrages pour le mondial au Qatar, et un peu plus loin, la CAN 2022. Du point de vue général, individualité et collectif, est-ce que, selon vous, notre équipe, on a déjà, j'ai envie de dire, un bon fond qui peut braver toutes ces étapes-là? Non, en toute sincérité, il faut être objectif. Cette équipe, si elle ne suit pas, si elle ne transpire pas, si elle abandonne les valeurs de combativité, de solidarité, non, il y a meilleur que nous. En toute sincérité. Mais quand cette équipe, quand il y a le cœur, quand il y a la solidarité, et quand ils sont prêts à faire les efforts. Regardez par exemple, on a eu zéro Covid. Pourquoi? Parce qu'à part le début, ces garçons ont accepté la discipline. Ils ont vécu dans une bulle. Et parfois, donc, l'exemple même que vous avez cité tout à l'heure, quand on triche avec l'histoire de Covid, etc. On a appris avec le CHAN. Parce que comme c'est l'organisme qui faisait ces tests-là, ces analyses étaient camerounais, on pouvait dire qu'on est juge de partie. Oui. Là, justement, on a recommandé à la CAF que nous ne voulons pas en faire partie. Prenez un organisme indépendant. Donc, on était menés en sans rien. On ne peut pas dire qu'on a triché. Les arbitres étaient corrompus, par exemple cet arbitre qui donne un carton rouge à un Comore qui est déjà amoindri, qui a beaucoup de cas Covid, qui n'a pas de gardien et qui donne un carton rouge à quelques 6 minutes du début du match, c'est pour aider le Cameroun à gagner. Mais justement, c'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est qu'il faut analyser le phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arbitrage est en mode vision. Ouais. C'est-à-dire que l'arbitre lui-même n'a plus de marge. C'est-à-dire que ce débat a eu lieu avec Platini, qui était contre la VAR, en disant qu'il faut laisser au football
la possibilité même d'erreur. Mm-hmm. C'est ça qui fait son charme. Parce que là, l'arbitre peut intégrer le contexte en disant ils sont déjà tenus compte de tous ces paramètres-là. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on veut une justice froide, un arbitrage froid et qu'on ne gagne que dans les règles. À partir du moment que cet arbitre a pris la liberté, il a dit je vais voir les images. Et quand lui voit les images, le monde entier voit les images. Mm-hmm. Autrement, l'arbitrage est fait. Il n'a pas le choix. S'il y a faute, il est obligé de siffler. Mm-hmm. Donc, c'est pas le Cameroun n'est pour rien. C'est. On a quand même eu 195 cartons jaunes, 14 rouges, 100 buts pour 52 matchs. Mmh. En ce qui concerne les cartons, là aussi je pense que notre arbitrage a évolué. Oui. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, au niveau international, quand il y a les grandes compétitions, le board, c'est-à-dire que la situation des arbitres, ils font une réflexion pour essayer d'enrayer les phénomènes qui sont en train de se propager, qui sont nocifs au jeu. Et là également, les arbitres ont essayé de voir ça. Par exemple, ils ont vu, il y a quelque chose qui devient très dangereux. Quand les joueurs sont dans les airs, les coups de coude. Et ça peut faire très très mal. Mm-hmm. Et on dit, bon, là on met l'accent dessus, on essaie de sévir. C'est un exemple, mais il y a eu d'autres exemples. Et avant ça, le matin du match, il y a la réunion technique. La réunion technique, moi-même, j'ai assisté, où vraiment, quand on donne la parole aux arbitres, à la commission, ce n'est pas l'arbitre lui-même qui parle, l'arbitre qui a, mais le responsable de la commission, il dit que par rapport à ce match, voilà l'élément technique sur lequel c'est zéro indulgence, zéro tolérance. Ça, on veut vraiment bannir ça. Donc, soyez avertis. Si vous faites ce geste-là, voilà la sanction qui vous attend. Donc, et ce qui fait que justement, il y a eu beaucoup de cartons, ouais. Parce qu'effectivement, ils veulent un peu assainir, nettoyer. Il y a aussi nettoyer. Beaucoup de sanctions de la CAF. La CAF, oui. Parce qu'il y a une volonté aussi d'éliminer tout ce qui est nuisible, qui est dangereux, ainsi de suite. Merci beaucoup, Eugène Kéké. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain, j'y arrive.